Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoun. Bienvenue au flash d'information sur Hit Radio. Crise anglophone, environ 22 personnes ont été tuées le week-end lors d'un affrontement entre l'armée et un groupe de criminels dans le nord-ouest du Cameroun. Il s'agit d'un groupe de terroristes signalés dans un hôtel à Menka. À la suite des affrontements, plusieurs armes et munitions ont été saisies. Trois autres personnes, dont une soupçonnée d'appartenir au groupe de l'hôtel et un conducteur de mototaxi, ont été arrêtées dans un hôpital d'une localité voisine de Menka. En santé à présent, trois agents de l'hôpital du district d'Idéa sont suspendus pour 3 mois pour cause d'insubordination et état d'ivresse. La sanction, qui a une incidence sur leur salaire, est le produit de la décision signée du directeur de l'hôpital d'Idéa. Ils payent ainsi les frais de nouvelles réformes mises sur pied depuis 2 mois. L'actualité internationale. En Libye, la situation reste compliquée sur la tenue des élections législatives et présidentielles. Une conférence internationale est organisée ce mardi sous l'égide des Nations Unies et à l'initiative du président français Emmanuel Macron. L'objectif étant de créer des conditions d'une sortie de crise en responsabilisant tous les acteurs nationaux et internationaux. Selon l'Élysée, pour y arriver, de nombreux acteurs ont été invités. En République démocratique du Congo, 16% des électeurs pour les scrutins de décembre ont été enregistrés sans empreinte digitale. C'est l'une des principales anomalies révélées par l'audit du fichier électoral congolais réalisé par l'Organisation internationale de la francophonie. La question fait réagir les acteurs politiques congolais. Si la majorité présidentielle relativise, l'opposition veut en savoir davantage.